L'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud est une association d'usagers ayant pour but de proposer des solutions afin d'améliorer l'offre de transport collectif sur la Rive-Sud de Montréal. L'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, c'est une association d'usagers du transport collectif qui a pour objectif de faire entendre les revendications des usagers auprès des décideurs. Donc, on parle autant des sociétés de transport, on parle également des élus, on parle de, disons, d'autres décideurs connexes. Donc, on fait ça via les présentations. Lorsqu'il y a des consultations publiques, on le fait, on se fait entendre par des mémoires, on se fait entendre par diverses formes de revendications. Dans un deuxième temps, on fait également entendre, disons, quand il y a des enjeux sur le terrain, on relaie ce qui nous est rapporté par les usagers, on le relaie auprès des décideurs pour qu'il puisse y avoir un suivi qui est fait à ce niveau-là, et pour s'assurer que, dans le fond, la situation au niveau du transport collectif s'améliore. Les usagers ont le pouvoir de se faire entendre auprès des décideurs. D'une part, s'ils ne veulent pas y aller directement, ils peuvent passer par notre association, en fait. Donc, vous pouvez nous contacter par courriel sur notre page Facebook. On est très ouverts à ça, puis on est en mesure de le relayer auprès des bons décideurs. Premièrement, mon engagement à moi, ça a commencé comme citoyenne. J'ai revendiqué des abribus sur la 132. Et après, on a fondé l'association. Et comme association, on a continué à revendiquer ces abribus-là qui me sont maintenant installés. On est très contents. Et aussi, de façon plus récente, on a milité auprès de l'ARTM, notamment pour les titres ponctuels de bus, parce que je trouvais que ça coûtait trop cher. Je prends un exemple, Varennes-Longueuil, puis une excursion à soit avec le RTL ou avec la STM, c'était 16 et quelque chose au départ de Varennes. Alors maintenant, la RTM a créé dans sa refonte tarifaire un titre ABC qui nous permet de faire la même chose pour 6,40 $, puis à des retours, ça fait 12,80 $. Et au mois de décembre, ils abaissent encore le prix du titre ABC qui va passer à 5,40 $. Dans un premier temps, notre association a été fondée en 2015. Notre première grande action a été la rédaction d'un mémoire en commission parlementaire pour dire aux élus que la réforme du transport collectif qui était proposée dans le projet de loi 76 ne cadrait pas nécessairement avec les besoins des usagers sur le terrain, dans la mesure où la réforme scindait en deux les territoires, comme celui du CIT Sorel-Varennes, avec Sorel qui était en dehors de la réforme et Varennes, Verchères et Contrecoeur qui étaient couverts par la réforme. On a présenté des amendements qui ont permis au moins d'éviter la coupure de service à l'époque. Ceci dit, nos préoccupations étaient tout à fait justes parce qu'aujourd'hui, on voit que la ville de Sorel-Tracy essaie de quitter tranquillement le service qui était offert autrefois par le CIT avec son propre service qui va être mis en place en 2022 et certains départs qui vont être coupés là, sur la ligne 700 entre Varennes, Verchères, Contrecoeur et Sorel. Donc ça, c'est une situation qui nous préoccupe et pour laquelle notre association va continuer de militer. Les autres grands mémoires qu'on a réalisés, c'est dans différentes consultations, que ce soit pour le réseau express métropolitain. On est intervenu pour demander différentes stations de correspondance. Également, nous avons rédigé des mémoires pour les consultations de refonte des différents réseaux de transport collectif sur la Rive-Sud. Et nous avons aussi rédigé des mémoires à l'Autorité régionale de transport métropolitain à propos des différentes refontes tarifaires qui étaient proposées, ainsi que du plan stratégique de développement de l'autorité. Donc, on est vraiment en action auprès des décideurs politiques. Et ça, c'est simplement l'action côté mémoire, parce qu'il y a aussi une partie de représentation plus informelle qu'on fait avec différentes rencontres au niveau des différents élus ou fonctionnaires dans le transport collectif. Le cœur de notre association, ce sont les membres qui la composent. On est tous des bénévoles qui travaillons pour le transport collectif. Donc, si vous prenez le transport collectif, c'est un enjeu qui vous intéresse, on vous invite à être membre. L'adhésion est gratuite à l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Ça permet d'être, un, au courant de ce qui se passe dans notre association, mais deux, aussi de nous transmettre vos préoccupations. Donc, l'adhésion est possible directement sur notre site web www.atcrs.ca. Également, sur demande, on peut vous rencontrer là, si vous avez des enjeux qui vous tiennent à cœur en matière de transport collectif et que vous souhaitez que l'on porte. Seule une bonne coopération entre les usagers va permettre de faire avancer les enjeux en transport collectif sur la Rive-Sud et dans la MRC de Marguerite.